Bonjour, aujourd'hui je fais des tajine frites. J'ai besoin d'amidon, de maïs, du vin jaune chinois et le bouillon de poule en poudre. Les trois sont achetés à Belleville dans le magasin chinois et le reste on peut acheter chez Carrefour. Il y a du poudre, de gingembre et poivre, du sucre, du sel et de l'huile. Ce sont des tajine chinois que j'ai achetés dans le magasin chinois. Ça, c'est plus petit. Il y a aussi un autre type de tajine plus gros. On peut acheter dans les supermarchés. Ça, j'ai déjà lavé. J'ai enlevé l'intestin, le film noir et du sang. Je coupe d'abord les tajine. Et je mets tout dans le bol. Je mets un peu de sel, un peu de sucre, un peu de bouillon de poule en poudre, du poudre de poivre, du poudre de gingembre, du vin jaune chinois. Et ensuite, il faut bien mélanger. Et je laisse mariner pendant 20 minutes. 20 minutes après, je bats un œuf. Et je verse dans le bol. Il faut encore mélanger. Puis, je prends un bol. J'ajoute l'amidon de maïs. Et puis, il faut coller le poudre sur les tajine. Je fais lentement, donc ce sont déjà mouillés. Puis je chauffe le wok avec l'huile. Quand l'huile est chauffée, j'essaie la température avec les baguettes. Quand je vois beaucoup de bulles sur les baguettes, je mets les tajine.
Ça, c'est déjà foncé. Je le sors dans l'assiette. Maintenant, je sors les autres tessiures foncées. C'est comme ça. La couleur est trop noire. Peut-être je mets trop de poudre de poivre. Je réchauffe le wok. Il faut encore passer une fois. Normalement, il faut sortir directement, mais je fais trop lentement, donc c'est un peu brûlé. Et je goûte à la fin. C'est pas mal, et c'est un peu piquant. Mais la couleur est trop noire. Je vais chercher le poudre de poivre blanc. Et puis, il faut aussi les sortir plus rapide pour ne pas brûler comme ça. Donc, il faut encore essayer après. Et vous pouvez aussi essayer. Si vous trouvez des autres erreurs, vous pouvez me dire. Et si c'est possible, m'abonner et partager avec les autres, s'il vous plaît. Merci et au revoir.